Un rebonjour à toutes et à tous. Je suis toujours aussi ravie d'être avec vous cet après-midi, puis en si bonne compagnie. Vous savez, quand on anime des tables rondes comme ça, c'est pas un exercice facile, on se met un peu la pression, et on en parlait avec Stéphane Durand ce matin, et même hier soir. Et moi, je viens de Bordeaux, et en arrivant hier soir au train, je me suis dit, oh là là, je me sens pas tout à fait prête pour animer la table ronde de cet après-midi. Le stress montait un petit peu comme la sève dans le tronc d'un arbre. Et donc, après le dîner hier, je suis partie voir Damasio et Vinciane Després au Théâtre Antique. Puis à la pause, je suis rentrée à l'hôtel et j'ai mis sur mon lit tous les livres, toutes mes notes, mon calepin. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse le point sur le déroulé de cet échange que nous allons avoir maintenant sur être un arbre. Alors je mets être un arbre en haut de mon calepin, d'un de mes calepins. Et là, je me dis, oh là là, quelle mise en abîme. Être un arbre, est-ce que c'est devenir papier, meuble, maison, bois de chauffage et être uniquement dans une approche utilitariste du monde? Est-ce que c'est ça que l'on doit avoir? Et donc, j'ai rien écrit sous ma feuille. Et je me suis dit, je vais continuer sur mon ordinateur et j'ai fini par imprimer ce matin. Bref, tout ça pour vous dire aussi qu'il y a une semaine, dans le cadre de l'enquête que j'évoquais ce matin, je me trouvais en Ariège, à Perles-et-Castellet. C'est un petit village à côté d'Ax-les-Thermes où en fin d'année dernière et jusqu'en février, il y a eu des vols d'arbres par des bûcherons espagnols. Voilà, j'ai rencontré des propriétaires, il y a 17 propriétaires au total à qui on a volé des arbres, et notamment une dame que j'ai pu rencontrer, Madame Segato. On a coupé au moins 300 pins sur son terrain à côté d'autres chênes centenaires. Et ce genre de récit, en fait, a été très médiatisé. Laurent Tillon nous rappelait ce matin que son livre avait été... avait connu un grand succès. Je pense que c'est un sujet qui est monté ces dernières années, et je pense que Francis pourra nous en reparler dans les consciences, mais c'est quelque chose qui nous interpelle, et moi je suis impatiente de voir dans les années qui viennent comment on va s'emparer de cette question de l'arbre, de la forêt, avec des outils qui peut-être les défendront un petit peu mieux comme part du monde vivant. Enfin bref, tout ça pour dire que le sujet qu'on va aborder cet après-midi à travers les arbres, à travers la forêt, à travers les plantes, est pour moi essentiel lorsque l'on aborde ces questions. Et donc je suis ravie d'avoir à mes côtés Francis Allais, botaniste, biologiste, fervent défenseur des forêts primaires. Francis était déjà là l'année dernière. On avait pris un petit café ensemble où il nous avait présenté l'association lancée en février 2019. On pourra en reparler, pour réhabiliter une forêt primaire en Europe de l'Ouest. On fera un petit point à ce sujet. Vous avez publié de nombreux livres et bientôt chez Actes Sud seront publiés à la fois un manifeste, c'est manifeste de défense de la forêt primaire, et un bel ouvrage avec plein de photos qui revient sur l'aventure du radeau des cimes, si on a le temps pour en parler, mais c'est le dispositif développé sur une trentaine d'années afin d'aller explorer la forêt équatoriale. Et puis, à côté de moi également, Alexis Génie, écrivain français, passionné à la fois de biologie et de littérature. Donc, vous avez reçu un Goncourt il y a 10 ans pour votre premier roman, qui était L'art français de la guerre. Et avant cela, vous étiez professeur des sciences de la vie et de la terre. Matière qui est un peu malmenée, je trouve, en ce moment dans le secondaire. Hein. On ne va pas en parler, mais ça a été un peu supprimé des programmes et c'est devenu une option, malheureusement. Vous allez bientôt publier un magnifique texte, j'ai eu la chance de lire un peu en avant-première, qui sera publié dans la collection Monde Sauvage et qui sera intitulé « Parmi les arbres, essais de vie commune », qui est un témoignage aussi sur votre passion, amour, admiration, on trouvera les termes, c'est pas de l'amour, on en avait parlé l'an dernier, vis-à-vis des arbres. Bref, avec nous aussi, à distance, Natasha Myers, qui est une Canadienne, qui est anthropologue à l'université de York, qui est elle aussi passionnée par le monde des plantes, mais je vais pas trop la présenter, parce que
Elle ne pouvait être présente. On n'a pas voulu prendre le risque de la faire intervenir en direct pendant cette conférence parce qu'on avait peur que ça coupe ou autre. Donc avec Stéphane, nous l'avons interrogée la semaine dernière, voilà, pendant trois petits quarts d'heure. Et hier, c'est pour ça que j'étais en speed quand je suis arrivée, j'ai passé du temps pour monter la vidéo. Et avec Stéphane, on a traduit et on a mis des sous-titres en français. Donc vous aurez des extraits de l'interview qu'on a pu réaliser. Et plus tard, vous pourrez retrouver, j'espère, l'interview dans son intégralité sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Moi, je ne connaissais pas trop son travail. Elle a signé un texte dans le Socialterre qui a été publié en début d'année sur le hors-série l'a dédié à la question du vivant. Et donc, ça sera l'occasion aussi de vous présenter ses travaux, sa démarche, ses concepts et d'en discuter tous ensemble. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, Francis et Alexis, j'aimerais qu'on commence par quelque chose de simple, parce que c'est souvent comme ça que j'aime commencer, mais par cette définition de l'arbre. Ce n'est pas quelque chose de facile. À vous lire tous les deux, on constate que dans les années 50, vous étiez face à une grande insatisfaction durant vos cours, dans ce qu'on vous apprenait, dans la façon dont on pouvait parler des arbres. Francis, dans Plaidoyer pour l'arbre, qui est paru la première fois en 2005, vous expliquez aussi qu'il est difficile de définir l'arbre. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on explique pourquoi c'était si frustrant et pourquoi on n'en parlait pas bien. Francis, pour débuter. J'ai essayé quantité de définitions. Et c'est de plus en plus difficile. Parce que la solution de facilité, c'est de définir l'arbre tel que nous l'avons en Europe. C'est ce que font les écoles forestières, d'ailleurs. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais une définition qui accepte, qui accommode les arbres du monde entier. Et alors là, c'est absolument impossible. Chaque fois que je fais une définition, je tombe sur des cas qui ne tiennent absolument pas dedans. La dernière fois que ça s'est produit, j'avais fait une définition assez longue et assez technique. Je suis invité en Afrique du Sud, et là, on me montre des arbres souterrains. Il ne sort que les feuilles. Mais ce sont réellement des arbres, très très vieux, des milliers d'années. Bon alors, s'il vous plaît, j'ai laissé tomber l'histoire de la définition. Voilà. C'était plus simple. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par ça, pour vous expliquer que c'était déjà quelque chose de compliqué. Alexis. Moi, Dieu merci, je ne suis pas botaniste, donc on pourrait excuser que je ne donne pas de définition. Un arbre, c'est quelque chose qui est grand, qui est debout et qui a une ampleur de feuillage. Donc c'est vraiment la définition du littéraire de bas étage. Je n'ai pas de définition, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai écrit un bouquin dessus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu flou, qui est complexe, qui est divers, mais qui, chez moi, produit une émotion. Il y a quelque chose qui est étonnant, que je ne m'explique pas d'ailleurs, que je ne comprends pas vraiment, mais j'ai des vraies émotions devant des arbres, singuliers, comme devant un être humain, en fait. C'est très... je ne vais pas le serrer dans mes bras pour autant, mais à un moment donné, il y a des arbres comme ça que je vois, et il y a quelque chose d'intense qui passe, et j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de les regarder, j'ai envie de tourner autour, j'ai envie de les dessiner, parce que je dessine très mal, mais c'est une façon encore d'essayer de s'approcher, et finalement, il y a quelque chose de fort qui passe avec cet être-là, cet être qui est l'arbre. Et comme je ne sais pas trop le définir, j'ai beau avoir fait des études de biologie, il manquait dans ces études de biologie quelque chose de fort sur le végétal et sur les arbres, que j'ai trouvé dans les bouquins de Francis Allais. C'est-à-dire qu'il a lancé plein de pistes dans ses bouquins de type scientifique, parce qu'il y a vous avez fait plusieurs types de bouquins, mais dans les bouquins de type scientifique, vous avez lancé des tas de pistes pour dire « on n'étudie pas bien les arbres ». On les étudie sur le modèle animal alors que c'est absurde. Voilà. Et moi, j'en ai fait vécu ça. C'était étudié sur un modèle un peu animal. On essaie de faire rentrer des concepts à coups de marteau. Non, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre façon d'être vivant, mais qui nous touche. Et je suis touché. Voilà ma définition.
Et justement, pour rebondir sur cette définition, ou ce ressenti, ou cette émotion, qu'est-ce qui a changé depuis ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle mieux, peut-être de manière moins zoocentrée ? Qu'est-ce qui a changé depuis les années 50, qui fait qu'aujourd'hui, on observe une sorte d'engouement autour de l'arbre, de la forêt, et c'est très bien, mais qu'est-ce qui a évolué dans nos consciences ? Qu'est-ce qui a évolué dans les sciences ? Qu'est-ce qui a évolué dans nos perceptions ? Comment vous l'expliquez, vous qui l'observez depuis toujours, Francis ? Ce qui a indiscutablement évolué, c'est l'intérêt du public envers les arbres et les forêts. Ça, c'est spectaculaire. Et quelle en est la raison ? C'est pas évident, mais je crois que comme notre planète se dégrade profondément, on se raccroche un peu aux branches de choses solides. Et ça nous amène aux arbres directement. Alors, c'est d'autant plus curieux que il y a quelques années, les études de botanique ont été supprimées à l'université. Je n'ai plus la date exacte, ça fait une dizaine d'années. Et donc, on ne forme plus de botanistes. Et c'est précisément en ce moment que le public se passionne le plus pour les plantes. Il y a des écoles privées, c'est ça ? On doit aller dans des écoles privées. Oui, c'est vrai, mais c'est plus dans les programmes du grand public, voilà. Bon, moi, je ne peux pas comparer avec les années 50. Hein. J'ai fait mes études un peu plus tard. C'était dans les années 80. Mais là aussi, c'était voilà, la botanique, c'était un peu le parent pauvre. C'était le truc de naturaliste, quoi. Ce qu'on étudiait avec soin, c'était les biologies cellulaires, moléculaires, etc. La génétique, tout ça, c'était, ou la neurologie, ça, c'était bien. Et puis, le botanique, physiologie végétale, c'était un petit peu pour... pour ceux qui aimaient les sciences à l'ancienne, les sciences naturelles. Mais moi, j'aimais bien les sciences naturelles. Bon, et qu'est-ce qui a changé ? Peut-être qu'on se rend compte, en effet, d'une globalité. C'est-à-dire, nous sommes sur Terre, nous sommes parmi les vivants, nous sommes plus... Enfin, petit à petit, c'est quelque chose qui rentre dans les consciences. Nous ne sommes plus des êtres humains de culture qui vivent dans une nature extérieure à eux. Voilà, il y a une globalité. Donc, c'est les forêts, quelque chose d'extraordinaire. C'est leur importance, leur masse, leur vivacité, etc. Et ça, on se rend compte de ça. Et puis aussi, l'arbre en soi a une présence puissante. Il y a quelque chose. Je ne sais plus qui c'est qui disait dans. C'est Bruno David, là, le directeur du muséum, qui a fait un bouquin sur la sixième extinction, et qui disait que nous avons des liens avec les animaux, avec les non-humains, en fonction de notre distance génétique. C'est-à-dire qu'on aime mieux les chats que les serpents, que les bactéries. Enfin, voilà. Plus on est proche morphologiquement, plus on se sent empathique avec eux, sauf exception, les arbres. Il y a quelque chose entre l'homme et l'arbre de spécial. Alors, justement, dans mon bouquin, j'essaie de réfléchir à ça. Je me dis, bon, moi, je sais pas, c'est peut-être le seul être vivant qui est debout, comme nous. Ou alors, il y a des souvenirs ataviques de notre passé de grimpeur d'arbres. Enfin, je sais pas. Mais il y a quelque chose de spécial entre nous. Alors, au départ, je voulais appeler ce livre Nous sommes arboricoles. C'est-à-dire, en fait, arboricole, c'est le terme. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un terme vraiment d'usage courant. C'est un terme plutôt scientifique. Ça désigne les êtres vivants qui vivent dans les arbres. Les serges arboricoles, c'est ceux qui vivent en grimpant dans les arbres, c'est les chimpanzés, etc. Mais en fait, nous ne sommes pas censés l'être, mais il y a quelque chose dans la symbolique de l'arbre qui nous touche beaucoup et qui fait que nous vivons avec eux. Nous vivons, ils ont une place importante dans notre imaginaire. Et comme la conférence d'avant le disait fort brillamment, l'imaginaire, c'est important parce que nous vivons dans cet imaginaire que nous créons. C'est pas n'importe quoi, l'imaginaire. C'est ce qui permet de voir le réel. Ah. Absolument. Alors Francis, si vous êtes pas d'accord, il faut le dire. Pourquoi est-ce que nous ne serions pas censés descendre des arbres ? Ça vient d'où ? Nous sommes des primates. Et tous les primates sont arboricoles. Alors certains ne le sont plus, on ne sait pas les seuls, hein, l'être humain n'est pas le seul, mais là, si vous cherchez un lien très fort entre les arbres et nous, moi je crois que c'est facile de comprendre notre berceau est dans les canopées. Et donc voilà, le lien il est évident. D'ailleurs, je remarque que
des collègues qui montent dans la canopée, ils sont sensibles à ça. On est revenu dans le berceau, non pas dans notre berceau personnel, mais dans le berceau de notre espèce zoologique. Et ça se ressent très fort au niveau des émotions. Lucie ne s'éloignait jamais tellement des arbres. Alors, je profite de cette transition pour proposer qu'on passe le premier extrait de l'entretien que nous avons mené avec Natasha Meyer. Vous allez voir, elle présente sa démarche et justement, elle explique à quel point notre monde est en fait, d'une certaine manière, dominé par les plantes. Donc, je propose à la régie de le lancer en espérant que tout marchera bien. My name is Natasha Myers, and I am an anthropologist of plants, but I'm also bring to that study a whole range of other embodiments. So I have a history of being a plant molecular biologist. I was trained in plant molecular biology in the late 1990s and was pursuing graduate studies in the plant sciences, trying to figure out how the floral meristem organizes itself in the formation of a flower. And I thought, wow, this is so fascinating. And I was in love with plants already by that time. But I was also a dancer. And so my choreographic work and my inquiry into human movement quickly shifted as I was doing my biological studies. And I started to bring dance and movement into kind of the formation of questions about plants. And that really changed the quality of my understanding about how plants grow and how they move. And so I kept kind of thinking through movement. And as I left the sciences and began a journey into environmental studies, where I was trying to look at ways that biology as a scientific practice could incorporate bodily knowledge, like this knowledge that I had about the living world through my dance practice. And so I began sort of a journey into an area called science and technology studies. So my work fits within a kind of world of science and technology studies scholars who are thinking about questioning how the sciences form their knowledge. And then later I found myself into this world of anthropology, and found a way to integrate my love of plants with the anthropological work that I'm doing. So it's been about, I would say, since the early 1990s, an obsession with plants that is finally really developing into my scholarly work and creative work. Part of it comes from the work of being inside of anthropology, just as you were suggesting, why is an anthropologist working on plants? And so it's to sort of extend the domain. It's to take the kind of inquiry that we've had into our own socialities, into our own lives, but move beyond that interest in ourselves to include ourselves. And so more than human is an opportunity for us to think about the we, like the collective formations that allow us to support us as human, that allow us to be human. And so part of it is the recognition that we become human in our relationships with all these other beings. And so it's always a gesture to reckoning with forms of agency, perhaps, that we've always reserved for the human, and trying to sort of expand that understanding of the practices and pleasures and desires of life that is more than us, more than just. And, you know, the problem of the human, what is the human, and the how we circumscribe the question of the human already is unfinished, right? We really have to really think about how the formation of the human was made, but we also have to question what is more. So there's a lot there that takes us beyond beyond a concern of ourselves alone, but thinking ourselves as a collective. To reckon with our humanity, perhaps, in new ways, to reckon with the forces and life forms that have given us life. So part of it is a kind of a shoring up and understanding of
the sustenance, the substance, the substrate, all of which, you know, plants have made for us, like they terraformed this land to make it livable and breathable for us. How do we start to understand their agency in the making of us? And I think we would come away with a deeper sense of our own humanity if we started to recognize that our humanity is actually contained in a world that is dominated by plants, that is led by the plants, that is organized and arranged by the plants. And so there's a way of us kind of a kind of humility that we would bring to the collective life of this planet, which is to say, oh, what can we learn from the plants? If we are of the plants, right, not just in control of the plants or gardening the plants or, you know, deciding where they are, if we are of the plants, we have a very different relationship with them, one that actually verges on the reverential, right? Recognizing what gives us life, recognizing that. And so there's a kind of an opening for us to imagine a larger envelope to collect up our material bodies in the world with the collective of plant bodies that are sustaining us. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce premier extrait. Ah, d'accord. La régie, je crois qu'on pourrait peut-être augmenter les sous-titres. Oh mince, il fallait le dire avant, ce serait poussé, je suis désolée. Ah, j'ai pas vu, j'étais focus sur la vidéo. Toutes mes excuses, on les mettra en ligne de toute façon ultérieurement. Elle partage déjà beaucoup, on va revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Natasha Myers, Francis et Alexis, mais moi ce que j'aime dans sa démarche, c'est ce qu'elle dit au tout début, voilà ce que je peux retenir de ce premier extrait, c'est la façon dont elle y est venue par le mouvement, par la danse, par le corps et par la forme en fait de ce qu'elle observait. Et je crois que c'est quelque chose que vous partagez en fait en commun, d'être un moment passé par le corps des plantes, le corps des arbres, de les observer de cette manière-là. Et on disait qu'il n'y avait pas forcément de définition possible, mais en tout cas, l'enveloppe corporelle a quelque chose d'essentiel à ce propos. Francis, vous dites même dans vos travaux que la forme se prête mal à des mesures, mais elle révèle ce qu'est réellement la plante. Alors j'aimerais savoir, que vous reveniez là-dessus, que vous puissiez me dire comment vous en êtes venu à cette connaissance par la forme, que ce soit pour les plantes, et puis après, à l'étude de l'architecture des arbres aussi, qui vous a quand même longtemps occupé. Je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais rencontré Natasha Myers, mais il se trouve que je viens de lire une description de ses travaux dans un livre chez Actes Sud, écrit par Estelle Zong-Mengual. Oui, c'est vrai, Estelle voilà, en parle, on a reparlé tout à l'heure à la pause déjeuner. Oui, donc oui, ça m'intéresse oui. De l'avoir parlé. Elle a tout à fait raison, les plantes sont beaucoup plus importantes pour nous que les animaux, on ne vivrait pas sans les plantes. Il faut savoir que sur cette terre, le seul oxygène dont nous puissions disposer, le seul qui existe, provient de la photosynthèse. Donc heureusement qu'il n'y a pas que les animaux. Oui, et en effet, mais sur cette approche par le corps, sur cette approche par l'architecture, qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont ça vous est venu, à force d'observer, à force de regarder, comment est-ce que vous en êtes venu par cette approche-là? Attendez, pour bien comprendre, il faut comparer les plantes et les animaux. Les animaux, c'est refermé sur soi-même. C'est l'intérieur qui est significatif. Les plantes, c'est l'inverse. C'est complètement ouvert sur l'extérieur. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'anatomie des plantes pour les comprendre. Il suffit de regarder leur forme, de regarder la forme extérieure, celle que je vois. C'est là qu'il y a le plus de sens. Bon, alors, l'architecture, ça découle de ça directement. Attendez, je vous raconte ça. Quand j'étais étudiant, on nous disait que pour identifier une plante, il fallait les fleurs. Bon, c'est un langage linnéen. Donc, quand je suis sorti de l'université, j'étais linnéen, sans le savoir. J'arrive en Afrique et je vois les grandes forêts africaines, pas de fleurs. Je savais qu'il y en avait, mais elles sont à 60 mètres de haut. Je me suis dit, alors on ne peut pas identifier les plantes dans ce pays puisqu'il n'y a pas de fleurs. Et c'est là que j'ai rencontré, par chance, un chef baoulé en Côte d'Ivoire. Je lui dis, chef, comment vous appelez le grand arbre qui est là-bas? Ben, il me dit, c'est un framiré. Ben, j'ai dit, chef, comment vous savez? Vous avez regardé ces fleurs? Et là, il s'est mis à rire. Il a dit, les fleurs du framiré? Mais j'en ai strictement rien à foutre.
Je ne sais même pas si ça donne des fleurs. Mais il m'a dit, mais tant que tu vois bien que c'est un framiré, regarde la balai qui est là et les miens qui est de l'autre côté, tu vois bien que c'est différent. C'est à ce moment-là que j'ai compris que dans les régions tropicales humides, je ne sais pas qu'il y ait moins de fleurs qu'ailleurs, hein, mais elles sont réparties sur toute l'année. Donc à l'instant T, il y en a très peu. Et dans ces pays-là, il ne faut pas attendre les fleurs pour identifier les arbres, il faut regarder leur architecture. Voilà. Alexis, dans le livre Là à venir, dans votre ouvrage qui part en octobre, on commence par entrer dans un arbre. Moi, je trouve cette entrée en matière, pour le coup, est aussi passionnante. C'est aussi l'histoire d'un corps. Est-ce que vous pouvez nous relater cette expérience et ce qu'elle a semé en vous ? Ouais, donc je devais avoir une dizaine d'années. Et mon père, un jour, m'a emmené dans la montagne vers chez moi. Enfin, c'est du côté, enfin, dans le Bugey, région que personne ne connaît. Mais il y a beaucoup de forêts. Et là, il y avait un tilleul de Sully, c'est-à-dire de ces gros arbres qui avaient été plantés au XVIIe siècle, devant une petite église, et cet arbre était creux. Et donc là, moi je rouspétais parce que j'avais 10 ans et que je n'avais pas envie d'aller me promener voir des arbres, et mon père me dit « si, viens voir, et regarde là, il est creux, bah, vas-y, rentre dedans !» Et donc, sous l'impulsion de mon père, je suis rentré dans le tronc de l'arbre. Et je me suis retrouvé dans une situation un peu inquiétante parce que il y a un petit côté gosier de baleine quoi, dans cet intérieur du tronc. Donc je voyais l'extérieur illuminé, l'intérieur en bois un petit peu grignoté. Et en fait, j'étais au cœur de l'arbre, mais au cœur de l'arbre, il n'y avait rien. Et là, je ne sais pas si je me suis posé la question clairement à l'époque, mais je me la suis posée après. Finalement, est-ce que rentrer au cœur de l'arbre, ça nous rapproche de l'arbre. Alors que dans nos visions animales, aller au cœur, c'est aller plus près. Là, aller au cœur, c'est aller nulle part. Puisque l'arbre vit par son extérieur toujours jeune. C'est-à-dire que ce tilleul de Sully, qui datait de 4 siècles, eh bien, il avait des feuilles chaque printemps, toutes neuves, toutes mignonnes, toutes tendres. Parce qu'il était éternellement jeune en son extérieur, il n'était âgé qu'en son intérieur, et qui, pour le coup, était creux. Voilà. Donc il y avait une sorte de bouleversement comme ça, entre le dedans et le dehors, entre le proche et le lointain, entre, voilà, et qui, donc je garde un souvenir très troublant et un peu angoissant aussi. Et plus tard, d'ailleurs, avec vos talents de vulgarisateur, vous expliquez qu'on pourrait le comparer à un drap. Je ne me trompe pas, c'est bien. Oui, tout à fait. C'est quoi la forme d'un arbre ? Il y a toutes sortes de formes. Et ce qui est vivant dans l'arbre, dans le tronc, ce n'est pas la poutre centrale qui est du bois mort, c'est un petit voile qui est autour. Ce sont les vaisseaux. Les vaisseaux qui permettent de monter l'eau minérale du sol et qui permettent de redescendre la sève qui a été fabriquée par les feuilles. Mais si on isolait, ça donnerait quoi ? Ça donnerait un voile. Une sorte de voile qui entoure l'arbre. Et finalement, si on voulait faire un schéma fonctionnel extrêmement épuré d'un arbre, ça serait comme un drap. Imaginez un drap qui est suspendu au jardin, qui touche l'herbe mouillée et qui est éclairé par le soleil. Et finalement, ça a l'air absurde de réduire l'arbre à ça. Mais en fait, l'arbre fonctionnel, c'est ça, c'est-à-dire ça capte le soleil et c'est un fin rideau de vaisseau qui va faire circuler dans les deux sens les deux sèves. Mais à partir de là, à partir de cette réduction fonctionnelle, eh bien, il y a toutes sortes d'architectures possibles, le but étant d'étendre le plus de feuilles possible dans le plus d'espace possible. Et avec finalement des mécanismes assez simples. Bon, je ne vais pas me mettre à raconter ça parce qu'après je vais être intarissable et on peut parler d'autre chose. Ça vous parle cette comparaison, Francis, comparer un arbre à un drap ? Je voudrais insister sur le fait que le tronc est mort dans son centre, en effet. J'ai encore un souvenir d'une causerie que j'avais eue avec des élèves en Belgique, Vilvoorde. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, mais alors, il faut trouver un système pour prélever le centre sans toucher au voile qui l'entoure. Et d'ailleurs, un arbre qui est creux, il n'est pas du tout fragile. Il est tout aussi solide qu'un arbre plein, parce que ce bois qui est mort, ça ne lui sert vraiment à rien, même pas sur le plan mécanique.
Alors, cette idée n'a pas vu le jour, mais j'ai trouvé ça très, très astucieux. Ça, oui, ça éviterait de ce que j'ai pu observer la semaine dernière. Alors, je vais revenir à Natasha Meyers, parce que, voilà, elle parle du corps, elle parle du rôle des plantes, de ce qui nous entoure, mais si on étire un peu son idée, elle en vient aussi au corps social, au corps culturel, à ce qui nous imprègne. Et donc, elle a un ouvrage qui est pour l'instant traduit en français, c'est Le ravissement de Darwin, le langage des plantes, qu'elle a publié avec Carla Hustak aux éditions Les empêcheurs de tourner en rond, dans lequel elle revient sur des travaux récents en termes de théorie de l'involution. Vous savez, théorie de l'évolution, c'était Darwin. Théorie de l'involution a été développée par Lynn Margulis pour expliquer à quel point le vivant est riche de ses interdépendances, à quel point les arbres ne peuvent exister sans les champignons et nous sans les milliards de bactéries qui nous composent. Et donc à partir de là, elle développe un concept qu'elle présente dans le deuxième extrait, voilà, où elle dit voilà, il faut rentrer maintenant dans l'ère du planthropocène. C'est pas une opposition, mais je la laisse le présenter, puis on pourra en reparler par la suite. This idea, right? We have this idea of anthropos. We have this idea of the anthropos, which is, you know, a human form. And I'm playing with grammar a little bit to make up words that allow us to produce an inclusion, that to recognize that the anthropos is always circumscribed, is always shaped, is always nurtured by the plant world. And at the same time, it's not to dominate one or the other, right? It's a relation. And so I'm centering the planthropos rather than the anthropos as the agent, right? That as the agency we want to consider, as the collective we that we would want to consider in shaping our decisions about how we choose to move forward in the world, how we shape our cities, how we shape our relationship to land, to food, and everything. So to include the plant within this planthropos gives us a larger kind of container for figuring our humanity, but also for reckoning with our action in the world, right? If we had a co-conspirator, someone that breathes us into being, to conspire, to literally so breathe us into being, how would we take care of that being? How would we recognize and honor that relationship? And so many of the ideas that I'm playing with right now really hinge on that kind of deep relationality. So it's not enough for humans to get out of the way, right? And to like let go and step back away from the living world. And to, you know, it's not about hands off, it's about a mode of integration, integrating our lives with the rhythms and practices of plants, which is a very different way of figuring our future than one where many people imagine that it would be better for the world to heal without humans. And here I'm actually saying, no, we are responsible for this mess. We have to stay around here. We need to figure our relationships out so that we can actually do better on the planet. So what I love about this concept is it's so capacious, it's so open, but it also allows us to recognize that we have a responsibility. So it turns the tables and asks us, what is our responsibility for nurturing plant life around us? And so it calls us to attend to the plants immediately in our surround. How do we build relationships with the plants, the container that are living in containers in our apartments, that maybe the plants aren't getting enough water or enough light? How can we be of service to them to support the world in which they're actually cleansing the air for us, they're bringing us the oxygen, they're metabolizing the carbon and building bodies out of this? So we have to sort of recognize our kind of complicity in their well-being and what can we do. And so what I love to do, the simplest, most joyful things to do are to participate in supporting plant life to experience the pleasure of its pollinators. So one can, you know, do such a simple thing as to, you know, take a carrot from the compost before it goes into the compost, cut off the top, and you can root those carrots into the ground, and they will flower and form and actually make seeds. And perhaps you might also attract the pollinators for that and nourish the allies the plants have. Or perhaps, which happened to me last summer, with these
these kitchen rescue carrots, the swallowtail butterfly caterpillar found its way onto this kitchen rescue carrot. And this was the source of its nourishment, so it could form the next butterfly. So this idea of us learning to participate really actively in supporting the pleasures and the relationships that plants need in order for their survival. And that's kind of our beginning to tend to life beyond us. I call this a kind of more than human community service. Prends ma place. Voilà, deuxième extrait de Natasha Meyers qui présentait ce concept de planthropos, je ne sais pas, planthropocène. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous voulez rebondir dessus. Francis. Le plaisir de la pollinisation, ça, je lui laisse vraiment la responsabilité de ce genre de truc. Je savais que ça allait interpeller. Bah, c'est vrai en plus. Elle disait avec beaucoup d'enthousiasme, un petit côté allumé. Mais bon, dans le fond, il y a quelque chose qui est très très fort, c'est sur ce fait que nous formons un monde global, que l'homme n'est pas en dehors. Bon, la preuve en est, les masques que vous portez sur la figure, c'est parce que, à un moment donné, un virus qui s'est répandu sur toute la planète, issu probablement d'une forêt chinoise qui a été longtemps isolée, puis finalement maintenant qui est rentrée en contact avec l'humain, avec l'activité économique humaine. On voit bien que là, on est soumis à une sorte de catastrophe biologique qui est liée aussi à l'état de la biodiversité dans des zones forestières. En coupé, là, on pourrait presque paraphraser l'histoire du chaos. Là, vous savez, le papillon qui bat des ailes et qui est en Thaïlande et ça fait un orage au Mexique. Ben là, c'est couper des arbres en Chine du Sud et tout le monde en Provence porte un masque. Voilà. Et nous sommes dans un monde global et nous avons des liens très très proches, profonds, divers avec les vivants, avec les autres vivants. On s'est rendu compte, enfin, avec ce genre d'expérience, que nous ne sommes pas en dehors de la nature. Nous y sommes. Voilà. Et c'est un système d'interaction très complexe dont on ne peut pas s'extraire. Dans votre ouvrage, vous dites, c'est ça, être arboricole, vivre avec, vivre parmi, vivre dedans, ne plus pouvoir s'en passer, accueillir leur exhalaison au plus profond de nos poitrines, leur confirme nos rejets carbonés en sachant qu'ils les transmuteront en belles pourtres de bois et en feuillage, et savoir que sans eux, la planète ne serait qu'une désolation caillouteuse, sans personne de vivant, sinon les mystérieuses bactéries qui ne demandent rien à personne, installées dans l'eau bouillante, chargée de soufre des sources sous-marines. Un monde sans forêt, c'est un monde de vagues bactéries qui vivent dans le sol, quoi. Enfin, c'est Mars, c'est Vénus, c'est voilà. La planète Terre a quelque chose, de peut-être exceptionnel ou peut-être pas. Peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. On ne sait pas encore. Le jour où on trouvera de la vie ailleurs que sur Terre, c'est qu'elle est répandue partout dans l'univers. Mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Donc on reste dans le doute. Alors c'est très drôle parce que dans les années 60-70, on pensait que c'était exceptionnel. C'est Monod qui disait que c'était une sorte de coup de chance extraordinaire. Puis maintenant, sans qu'on ait plus de preuves, la vie a changé. Même les scientifiques pensent que peut-être on pourrait trouver. Bon, on n'a pas de preuves. En tout cas, la Terre, la planète Terre, a été modifiée par la vie. Voilà. Et essentiellement par une vie végétale. C'est-à-dire que la biosphère s'est créée d'elle-même et s'entretient d'elle-même. Sans ça, sans cette biosphère, on serait la Lune. Voilà. Donc nous vivons sur une Terre complètement formée, terraformée, comme elle a dit Natasha Meyers, par la puissance végétale. Et sans elle, nous ne sommes rien. Francis. J'insisterai un petit peu là-dessus. J'ai encore frappé sur ce clou. Là aussi, c'est intéressant de comparer ce que font les plantes avec ce que font les animaux et les êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On est en train de saloper notre planète. Tout le monde le sait. Jusqu'en haut de l'Everest, jusqu'au fond des océans, nos pollutions et nos débris, il y en a partout.
Et ça devient extrêmement inquiétant parce que c'est des matières qui vont durer et qu'on n'est pas prêt de se débarrasser. Qu'est-ce qu'elles font les plantes en même temps que nous ? Eh bien, elles améliorent sans arrêt tout leur environnement. Elles améliorent la partie aérienne en le débarrassant du gaz carbonique et en y mettant de l'oxygène. Et elles améliorent surtout la partie souterraine en recréant la vie dans des sols dégradés. Sur le long terme, moi, je miserais plutôt sur les plantes. Oui. Natacha Meyers, elle parle de conspiration dans la relation que l'on doit. Voilà, une conspiration faite d'envie, de désir, de plaisir. Elle l'a évoqué, donc c'est vrai que ça peut poser à débat. Et j'en avais parlé un peu avec Stéphane quand on a préparé la table ronde. Il y a une autre, voilà, on a évoqué la forme, le corps, le périmètre, la définition difficile à avoir, mais vous avez un autre point commun, c'est que vous parlez aussi beaucoup de beauté. Vous essayez de dire, voilà, aujourd'hui, on doit parler de cette beauté. Trop longtemps, on l'a oubliée, on ne voulait pas la voir, on ne voulait pas en parler dans les études scientifiques. Dans votre manifeste, Francis, que vous publiez là, pour les forêts primaires, vous dites que la beauté n'a pas eu jusqu'à présent la place qu'elle mérite dans les écrits scientifiques. Oui, j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas un mot sur la beauté dans la biologie actuelle ou dans l'écologie actuelle. Et moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, c'est pas récent, hein, mais plusieurs de nos enseignants nous ont dit: ne tenez pas compte de la beauté, parce que c'est un sentiment subjectif qui va finir par fausser vos jugements. Effrayant de dire ça. Alors moi, je les ai crus sur le moment où j'étais étudiant. Mais il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'on nous met dans la tête des trucs dont on n'a pas assez de la vie entière pour se débarrasser. Parce qu'en réalité, la beauté en biologie, elle a un rôle, c'est un instrument de lecture. Quand l'évolution a très bien fait son travail et suffisamment loin, on a quelque chose de très beau. Ça se manifeste d'ailleurs tout simplement dans les objets que nous fabriquons. S'il est beau, moi je veux bien. S'il est moche, je m'en sers pas. Je pense à des bateaux à voile parce que ça m'est très proche. Je veux bien monter dans un beau bateau, mais vous ne me ferez pas monter dans un bateau moche. Voilà. Donc la beauté, je trouve qu'effectivement, il faut lui donner une place, pas lui rendre, mais lui donner une place en biologie. Oui. Vous allez trouver que j'ai une mémoire vraiment en carton, mais je viens de me souvenir, parce qu'elle en a parlé, que j'ai lu son bouquin de Natacha Meyers, Le ravissement de Darwin. Voilà, bon, je m'en souviens juste maintenant. Voilà, mais désolé. Bon, mieux vaut tard que jamais. Non, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle, dans ce bouquin, elle développe toute une idée un peu différente de la connaissance. Qui peut apparaître, voilà, c'est un peu étrange quand elle raconte son histoire de carotte là dans sa cuisine et tout ça, on a l'impression qu'elle a une petite spirale sur la tête. Ben non, en fait, il y a quelque chose qui est une émotion, c'est ce dont je parlais au départ, une émotion devant la beauté, devant le vivant, devant son développement, devant ses formes, etc. Et ce dont elle parle dans Le ravissement de Darwin, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle raconte un des épisodes où Darwin, ce grand scientifique, avait... j'en cite un peu aussi dans mon bouquin, a eu une sorte d'élan d'enthousiasme devant la beauté de la nature. Et je pense que c'est nécessaire, ça, parce que c'est parce que les sciences, faire des sciences pour des raisons scientifiques, c'est un petit peu desséchant. La beauté, c'est quelque chose qui est attirant, qui crée de l'élan, qui crée de l'empathie, qui crée de l'envie, qui crée etc. etc. Et donc, on n'étudie pas la nature comme ça parce qu'il faut étudier la nature. On étudie la nature parce qu'elle nous crée en nous de l'enthousiasme. Et la beauté, c'est ce qui crée cet enthousiasme. C'est un émerveillement. Étudier alors, les arbres, c'est un émerveillement. C'est pour ça que quand je faisais des études de sciences naturelles, bon, la génétique et la neurologie ne m'enthousiasmaient pas plus que ça, même si c'était les sciences à la mode, mais étudier cette façon d'être des arbres, des végétaux en général, mais des arbres parce qu'ils sont, beaucoup, beaucoup plus beaux que les autres, ça, j'étais tellement émerveillé que j'allais vers ce domaine, je creusais ça, j'étudiais ça. Voilà, la beauté, c'est un moteur. C'est la création d'un désir vivant qui nous permet de faire de l'étude. Et l'étude sérieuse, scientifique, n'est pas du tout contradictoire avec la beauté.
C'est-à-dire que quand je faisais de la botanique, avant que ça soit annulé dans les programmes, donc je me rendais compte que plus j'en savais, plus j'en voyais. C'est-à-dire qu'avant, dans une haie au bord d'un pré, je voyais une grosse bande verte avec quelques petites taches rouges et jaunes. Bon, et puis, plus j'apprenais la botanique, plus je différenciais les différentes sortes de vers, les différentes sortes de branches, les différentes sortes de couleurs et de fleurs, etc. Et en fait, j'ai une réalité augmentée encore plus belle. Et ça, ça enthousiasme. Ça pousse à continuer à étudier. C'est pas contradictoire, l'étude et l'émerveillement. Ça va ensemble. Et l'esthétique est quelque chose que vous essayez aussi de travailler à travers la littérature, à travers l'écriture. Ça, on en a oui. aussi beaucoup parlé. Alors, c'est vrai que la littérature, c'est l'air que je respire, c'est ce que j'aime. Et face aux arbres, j'avais deux moteurs. Premier moteur, l'émotion que je ressentais, qui n'était pas très claire. Pourquoi j'éprouvais de l'émotion. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une question intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que ces êtres qui ne sont pas comme nous, voire qui sont tout à l'envers par rapport à nous. Et donc, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est essayer d'élucider mon émotion et ma question. Et là, la littérature, c'est-à-dire créer du récit, créer de la singularité, créer de l'invention verbale, essayer de trouver des façons verbales qui rendent compte de tout ça, c'est une façon de répondre à ces questions, d'élucider ce que je ressentais et les questions que je me posais. Enfin, pour moi, la littérature, c'est ça. La littérature, c'est une machine à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je ne comprends pas, bah peut-être qu'en faisant un bouquin autour, je vais arriver à préciser ce que je peux ressentir. Voilà. Et ça a été le processus d'écriture de ce livre. Pourquoi ça me fait tant d'effet? Et puis qu'est-ce que c'est que ces êtres? En octobre, début octobre. Francis est impatient, j'ai l'impression. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Francis, sur cette question de l'esthétique, la façon dont vous avez essayé aussi de l'approcher à travers vos travaux, à travers... tout ce que vous avez pu mettre en place comme projet à travers l'écriture et surtout le dessin. Pourquoi les dessins? Parce que une description, ça ne va pas rendre compte de la beauté. Une photo non plus, hélas. Il y a des dessins dans le livre d'Alexis Génie, vous verrez. Vous dessinez? Un petit peu, mais j'essaye de dessiner justement les arbres dans une sorte d'échec permanent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le fais, je me dis j'y arrive pas, donc je continue. Mais parce que, alors, les arbres ont une singularité. Dans le bouquin, je dis, les arbres ont un visage. Bon, c'est complètement idiot, parce qu'ils n'ont pas de visage. Mais il y a quelque chose qui est de la même nature que le visage. C'est-à-dire que le visage, c'est deux yeux, un nez, une bouche, des sourcils, un peu des cheveux, des oreilles. C'est la même chose pour tout le monde. Mais chaque visage est différent, et on le reconnaît. Ben, chez l'arbre, c'est pareil. Il y a des feuilles, des branches, des troncs, etc. C'est tout pareil. Dans la même espèce, c'est construit pour pareil. Mais c'est différent parce qu'il y a eu des aléas, il y a eu des aventures, etc. Et en fait, un arbre a une forme qui est la sienne, une forme singulière. Et j'ai essayé d'attraper ça, mais comme je suis un piètre dessinateur, ça allait pas très bien. Finalement, j'ai écrit. Laissez-moi revenir un instant sur le dessin. Moi, je passe mon temps à dessiner les plantes que je rencontre. Et les gens me disent, mais pourquoi tu t'emmerdes? Il y a des petits appareils photo, maintenant, on fait clic et c'est fait. Mais non, ça ne tient pas la route. Parce que quelque chose de très compliqué, qui a vécu des centaines d'années et qui est en trois dimensions, la photo ne va pas le restituer. Tandis que le dessin, moi, je prends le temps de faire le tour et un grand arbre, il me faut parfois 2-3 heures pour le dessiner. Et là, Bon, s'il me vient des questions, j'en profite, j'ai encore le modèle sous les yeux. Si on veut vraiment connaître une structure complexe comme un arbre, je crois qu'il faut passer par le dessin. D'ailleurs, en botanique, on a toujours dessiné. Au Muséum de Paris, il y a une grosse équipe de botanistes. Soit ils dessinent eux-mêmes, et ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, ils ont à leur disposition des dessinateurs professionnels. Ça a toujours été comme ça, et je ne crois pas... que ça peut changer. Ouais. Et un détail, pour avoir vu des dessins de Francis, quand on voit une forêt tropicale prendre une photo, on a un machin vert. Tandis que si on l'examine lentement en le dessinant, on peut distinguer les différents individus, leurs rapports, etc. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus juste, finalement, que la photo.
Alors, on a un petit peu le temps, j'aimerais vous montrer, le troisième extrait de l'échange qu'on a avec Natasha Meyers, où elle revient plus en détail sur cette notion de plaisir, d'envie et même de sensualité des plantes. Alors, voilà, on va le lancer et après on pourra rebondir dessus et revenir sur d'autres éléments. One of the most, I think, violent things that the life sciences have done to the living world is to render pleasure and play and desire unthinkable for more than human creatures. I call this a kind of mechano-anthropomorphism. We render them into machines so that they are other than us, but also as machines, they become tools for us, right? They become material technologies for us, right? So there is a double move that we make when we render the world an automaton or a kind of blind mechanical being that's just fulfilling its genetic code script. So my entire life's research has been focused on this, the work of mechanism in the life sciences and how to break the spell that it casts over our ways of telling stories about the living world. If we were to begin to refuse the disenchantment of the sciences, right? To recognize that the sciences, you know, disenchantment of the world is actually incomplete, right? That in fact, all kinds of lively stories bubble up and move through the stories that the life sciences can tell. We would free ourselves up from these stories about the living world that render life as a material object available for our domination and use. And so I take it as a kind of activism to alter and rework the storytelling practices of the life sciences to lure people into another way of thinking about the living world and to recognize that there's a lot of effort that goes into the work of disenchantment, but that it's the failure to disenchant, right, that allows us to recognize that the world is already very enchanted. And this is a concept that I think a lot about from Vincienne Desprez has brought such brilliant insight into this matter. So this has helped me really immensely to sort of recognize the violence that science does when it renders the living world into an object, but gives us this opening for restoring the living world through a kind of reckoning with what are the practices, what are the pleasures, what are the activities. So instead of shutting down the sexuality or the sensuality of the pollination encounters between plants and their animals, or the pleasures of eating that come with, you know, insects, you know, chewing on another plant, or the pleasures that plants experience as they reach for more sunlight and feel the cleansing waters. We open ourselves to a kind of relation where we understand that any being that senses the world already is promising a form of sentience. And once we're respecting that form of sentience, and this is a concept I draw from Merleau-Ponty, his ways of thinking about the sentience of matter. Once we're in this realm, we actually end up with a new and renewed relationship with plants, one that actually understands them as different, not just like us. So it isn't a matter of anthropomorphism. It's a matter of learning how to vegetalize our own tissues so that we can learn to sense and feel what a plant's pleasure might be. And we really have a lot of work to do as humans who've been so well schooled to render the world a lifeless inert matter. And so my job is to change that story. I really feel that it's an important story to change. And so I'm really interested in how do we alter our imaginations? How do we shift and change the tenor, the tone, the texture, and the foundation of how we think and imagine the world? And so that takes radical experiment. It takes pushing up against the kind of self-evidence, the givens, what we take as good, what we take as true, what we take as valuable,
I'm really interested in the relationship between our common sense, right? The sense that we have, like, of, oh, we know what's good and we know what's bad. But that common sense has been so deeply informed by a whole range of deeply problematic formations, from colonialism to capitalism. It's common sense for us to think about forests as ecosystem services, right? And so I want to break that form of imagination and excite new forms of imagination. And for me, the best way to do that is not through argument, right? You could sit there and try and argue with someone, I've got a better point than you, or I could. I actually think we need hypnosis. I think we need to be lured into ways of dreaming really differently. And so I'm interested in the kind of form of the incantation or the casting a spell, a spell that could dispel, that could disrupt the kind of spell that we're currently under. And so imagination needs to be really radical. It has to come from somewhere new. Plants are incredibly generous. They are so giving, right? You do have to ask permission in setting up a relationship with them. But when you do have a good rapport with plants, they are incredibly generous with their wisdom, with their knowledge of the world, with these radical experiments that they're conducting in the world around them. They're willing to share. And so if you're open and opening it and to listening from, like, really deep places in your being, this is not about, like, tuning in your ears and from a deeper place in one's being, there's so much learning to be had. And so if we recognize that the plants in act are our teachers. They know how the planet could heal. They know how to transform the toxicity of our world. They know how to rearrange the airs and to rearrange the climate. We need to be listening to them and receive that from them. And they can actually tell us, directly what we could do. In fact, I take my instructions from the plants. So. Voilà. C'était difficile de choisir dans tout l'entretien qu'on a eu, mais je pense que ça fait un bel écho. Francis, je ne sais pas si vous souhaitez ou tu souhaites réagir. J'ai déjà entendu ce genre de langage, je m'en méfie un peu. Quand elle dit « les plantes ont envie de partager », moi je ne crois pas, parce que ça justifie le fait qu'on les exploite. Oui, c'est vrai qu'elle a une sémantique qui questionne, hein. On en a beaucoup parlé. Il y a des phrases un peu dangereuses là-dedans. Alors c'est vrai que bon, on reconnaît là une sorte d'écoféminisme politique. Attendez, ma position par rapport à ça, elle est subtile. C'est-à-dire que le jargon peut agacer. Après, si on va au fond de ce qu'elle dit, je pense qu'il y a des choses extrêmement puissantes qui sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire essayer de changer de posture et de point de vue. Alors je vous donne un exemple. Un exemple, c'est quand je me suis posé la question de l'intelligence végétale. Il existe maintenant un petit domaine de neurologie végétale. Il y a un Italien, celle-là, vous avez encore rire, Mancuso, voilà, je ne sais plus si c'est Mancuso, qui travaille là-dessus, sur l'intelligence des plantes. Voilà, première fois que j'ai entendu parler de lui, neurologie végétale, n'importe quoi, il n'y a pas de neurones dans une plante. Bon. Et puis après, il parle de l'intelligence. Alors, il est un peu flou sur la notion d'intelligence, mais je me souviens du travail que j'ai fait sur moi pour essayer de comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que pour comprendre la notion d'intelligence végétale, il faut laisser tomber la notion d'intelligence animale et surtout d'intelligence humaine. L'intelligence humaine, avec une conscience, avec un sens du temps, du projet, etc., ne s'adapte pas du tout aux végétaux, on est bien d'accord. Mais il est d'autres formes d'intelligence. Par exemple, dans le monde animal, vous avez l'intelligence des fourmis. Une fourmi, c'est stupide, hein. Ça a moins de capacité de commande qu'un lave-vaisselle. C'est-à-dire qu'il y a des stimuli qui donnent lieu à des réponses. Et qui a le plan de la fourmilière? Personne, même pas la reine. Elle n'est pas plus intelligente que les autres. Mais n'empêche que la fourmilière se fait, n'empêche qu'il y ait une intelligence collective des fourmis. Alors, elle est où cette intelligence? Bon, c'est pas du tout un cerveau, c'est pas du tout une conscience, c'est autre chose. Du coup,
On peut imaginer quelque chose au niveau des plantes. Et Mancuso, il parle de la, du chevelu racinaire, en fait, de la masse racinaire. La masse racinaire des arbres, c'est à peu près la même taille que les branchages, que les feuillages. Et ça pousse en permanence. Et ça pousse de façon extrêmement subtile vers les zones meubles, vers les zones humides, pour pomper de l'eau, mais ça ne se croise jamais, ça reste toujours à bonne distance. Et si on accélérait le mouvement de ces racines, on verrait qu'elles, dans une sorte de coordination subtile, elles arrivent à aller au meilleur endroit pour pomper de l'eau. Si on considère que l'intelligence, c'est trouver des solutions à des problèmes, le chevelu racinaire d'un arbre est intelligent. Mais ce n'est pas du tout l'intelligence humaine. Donc, c'est vrai que si on veut essayer de réfléchir à l'intelligence végétale, il faut se détacher des représentations qu'on a de l'intelligence humaine et essayer de trouver une définition de l'intelligence qui corresponde aux plantes. Et je trouve que Natasha Myers, elle a l'intérêt de dire ça avec son jargon à elle. Mais c'est vrai qu'il faut se détacher des représentations qu'on a pour essayer d'en trouver d'autres, et même essayer, même si c'est impossible, de se mettre à la place de l'arbre presque, pour essayer de trouver un nouveau concept, pour essayer de trouver des nouvelles façons de comprendre. Et il y a, voilà, c'est des points de vue à changer pour trouver du nouveau. Et en ça, je trouve que ce qu'elle dit est vachement intéressant. Francis. Un mot sur l'intelligence des plantes, qui est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est ça. Il y a des avalanches de résultats. Je ne veux pas rentrer dans les détails là. Mais j'ai mis très longtemps à accepter ce mot d'intelligence concernant les plantes. Parce que je regardais dans le dictionnaire ce que signifie ce mot et j'ai bien vu qu'il fallait être un être humain. Il fallait un gros cerveau, il fallait un langage vocal, il fallait pouvoir se déplacer, etc. Bon, je me suis dit, mais ça ne va pas marcher pour les plantes. Et à ce moment-là, je suis tombé par chance sur un collègue canadien, Jérémy Narby, qui m'a dit « Attention Francis, c'est un être humain qui a écrit le paragraphe dans le dictionnaire. » Donc ce gars, il est jugé parti. C'est la porte ouverte aux pires exactions sur le plan juridique, ça. Alors, je lui ai dit « Qu'est-ce qu'on fait, Jérémy ?» Il m'a dit « Il faut réécrire une définition qui ne soit pas réservée à l'homme. » Alors je vous la cite de mémoire. Est intelligent tout être vivant qui arrive à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de son existence et qui ont trait à sa survie et à son bien-être. Ça repose sur deux fondements, savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser par la suite. Voilà, ça n'exclut pas l'être humain, je pense qu'il a sa place là-dedans, mais c'est ouvert à beaucoup plus de choses. C'est marrant parce que après avoir publié cette définition chez Odile Jacob, on est tombé sur une définition par Albert Einstein. L'intelligence, dit Einstein, se mesure à la capacité à changer. Je trouve ça très intéressant parce que souvent, les gens qui changent d'avis, ils sont mal vus. Et on voit le changement de manière négative, trop souvent. Ben merci. Alors, le temps file, j'aimerais que vous ayez la possibilité de poser vos questions à Francis et Alexis. J'aurais aussi voulu, parce que la thématique de la journée, c'était vivant parmi les vivants, et cette vie commune. Francis se bat, entre guillemets, depuis toujours pour que les arbres soient plus reconnus, pris en considération, pour réhabiliter une forêt primaire qui est un projet sur du long terme qui devrait se faire. Quand je lisais le plaidoyer, 26 km sur 26 km, c'est pas tant que ça finalement. Pourquoi c'est si compliqué à mettre en œuvre? Et j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ce projet, sur les plaidoyers qui avaient été publiés, sur la façon dont vous considérez. Voilà, on est peut-être plus conscient, mais est-ce que politiquement, est-ce qu'on le prend suffisamment en compte aujourd'hui? Je pense que c'est encore une autre question. Donc, j'aurais voulu qu'on fasse un petit point là-dessus avant de vous laisser la parole, parce que je voulais être certaine qu'on puisse parler de cette association et de comment vous œuvrez en ce sens. Et si vous avez un message à passer ou un appel à faire, c'est maintenant. Oui, c'est un projet qui m'intéresse énormément. Je travaille là-dessus pratiquement à temps complet en ce moment. Il faut 70 000 hectares. Pas énorme, mais ça nous est imposé par la faune, parce qu'une forêt, c'est équitablement la flore et la faune, y compris les grands animaux.
Donc 70 000 hectares. Il faut que ça soit transfrontalier parce que ça va être un projet européen. Donc c'est entre la France et un des pays voisins. Et il va falloir un certain nombre de siècles, entre 5 et 10, entre 5 et 9, je crois. Et ça, c'est pas non plus un choix, c'est le temps qu'il faut pour avoir une forêt primaire, compte tenu du fait que dans nos régions, les arbres ne poussent que 4 mois par an. Ils font de la photosynthèse plus longtemps, mais la croissance, c'est seulement 4 mois par an. Donc c'est long. Voilà, alors on a commencé à rechercher le site. On est allé sur la frontière allemande entre les Vosges et le Palatinat. C'est magnifique, mais je crois que ça ne va pas marcher parce que c'est trop haut et trop chahuté. J'ai oublié de préciser qu'on cherche à faire une forêt primaire de plaine, parce que c'est ça qui nous manque. Bon, le mois prochain, on va aller dans les Ardennes et on va voir si c'est mieux. En tout cas, ça soulève beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et on a un nombre d'inscriptions incroyable. J'ai cru voir 2500 membres, dans votre association, c'est ce que j'ai pu voir dans le manifeste. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller voir le site web. Juste un petit mot, reconnaissance à Francis. C'est par lui que j'ai appris la différence, la différence concrète entre une forêt primaire et une forêt secondaire, on va dire de repousse. C'est-à-dire qu'il a étudié les forêts primaires du monde tropical. Ce sont des forêts qui se sont développées par elles-mêmes et il les a comparées aussi à des forêts qui ont repoussé après une exploitation forestière. Et c'est très très net, une forêt primaire est d'une grande diversité, d'une immense diversité et du coup d'une grande solidité, d'une grande résilience, d'une grande stabilité, etc. La forêt secondaire de repousse, elle est beaucoup plus maigre, beaucoup plus pauvre et beaucoup moins intéressante. D'où l'intérêt de recréer une forêt primaire en Europe, où elles ont toutes disparu, parce que l'Europe, c'est un jardin qui était jardiné depuis des milliers d'années. Donc on a toutes les forêts, même les plus épaisses qu'on voit ici, elles sont en fait issues plus ou moins de l'activité humaine. Donc là, ça serait recréer quelque chose, mais qui est une vraie forêt solide, résiliente et stable. Un petit détail qui me touche de très près, si on veut distinguer une forêt secondaire et une forêt primaire, c'est pas compliqué, la plus belle, c'est la primaire. Dans votre manifeste pour la forêt primaire, moi j'ai cette citation qui m'a beaucoup plu. Vous dites, là, c'est une citation de James Balogh qui dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout ». Voilà, je trouve ça assez parlant. Bref, je vous passe la parole. Merci. Puis voilà, levez la main, le micro circule. Je vous invite à vous lever, à vous présenter et à faire votre remarque, poser votre question. Bonjour. Vous m'entendez, oui. Stéphanie Evenot du département de la Gironde. Donc voilà, j'avais une question, je voulais rebondir sur l'intelligence des plantes. Et je voulais savoir, on parle du langage des arbres, propre aux arbres, entre eux, sans que l'homme puisse finalement les entendre. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ce que vous en pensiez, langage des arbres. Ah ben, il existe indiscutablement. Ça, le premier exemple date de 1990. Et maintenant, on a des centaines d'exemples de langage, de communication entre les arbres. On a maintenant même des dialogues. Alors, il ne faut pas croire que c'est... Bon, ce n'est pas sonore, hein, c'est des molécules volatiles, c'est des parfums. Mais il ne faut pas croire que ça soit difficile à traduire. Moi, j'arrive à le traduire. Hein, c'est pas, enfin, je ne pense pas me tromper. Attention, les amis. Il y a un mammifère herbivore qui traîne par là, c'est le moment de devenir toxique. Voilà, il faut faire attention aux mots, c'est vrai que bon, il y a un bouquin sur les arbres, vous connaissez tous, La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben. Bah, bon, il a un peu exagéré dans l'anthropomorphisme, mais pour des raisons pédagogiques, on va dire. Il faudrait revenir un petit peu en arrière là-dessus, c'est-à-dire que bon, langage, les arbres se parlent, ça nous évoque aussitôt notre langage articulé. Non, c'est pas comme ça. Mais par contre, il y a de la communication, une communication subtile, en effet, par des odeurs. Mais chez les fourmis, c'est pareil. Hein, les fourmis ont des molécules volatiles qui leur permettent de construire des comportements collectifs. Bon, là, pour les arbres, c'est la même chose. Donc, est-ce que c'est un langage? Ouais, enfin, le mot n'est pas le bon, quoi. Oui, on va vous passer un micro et ensuite il y a une question de Jean-Paul.
Alors, la dame avec le t-shirt jaune. Gilberte Hugouvieux. La question, c'est, vous reconstituez une forêt primaire, comme vous l'imaginez, comment on la plante et qui plante quoi? Quand on recrée la forêt primaire, qui la plante et comment on plante quoi? Surtout pas la planter. Sinon, c'est une plantation, c'est pas une forêt. D'accord. Donc, elle vient toute seule. Non. Ça se fait tout seul. Et l'arrivée des plantes est extraordinairement rapide. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. Voilà. Alors, donc, pas question de planter. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Il n'y a rien à faire, même. C'est pour ça que, sur le plan budgétaire, c'est intéressant. Jean-Paul, il y avait une question aussi ici. Est-ce qu'il y en a d'autres après, derrière, qu'on prévoit les micros? Donc, une question là, et ensuite, plus vers le fond, par là, s'il vous plaît. Oui, à vous écouter, on comprend l'importance du végétal, des arbres et tout ça. Et cette espèce d'éradication de l'enseignement botanique et des sciences naturelles dans les écoles et dans l'université, comment vous l'expliquez-vous? C'est un non-sens, parce que au moment où on doit faire face à des défis par rapport à la planète, par rapport au climat, etc., renoncer à comprendre et à chercher à comprendre plus, parce qu'il y a encore une infinité de choses à identifier. Comment expliquez-vous cette attitude qui consiste à circuler, il n'y a rien à voir, la botanique, ça n'a pas d'intérêt. C'est de la folie, c'est suicidaire quasiment. Je voudrais avoir votre opinion, parce que vous êtes tous les deux à différents degrés concernés par l'enseignement. Et comment peut-on imaginer que des enfants ne fassent pas l'apprentissage du vivant à travers le végétal? Absolument. Alors, il y a en France une hiérarchie des sciences qui est très visible dans les lycées. Moi, j'ai enseigné dans des lycées. Il y a les mathématiques, puis après il y a la physique, et après il y a les sciences naturelles. Les sciences naturelles qui sont... Alors, les élèves se répartissent, les meilleurs en mathématiques, les un petit peu moins bons en physique, et vraiment les losers, ils font de la bio. Mais c'est quelque chose, j'ai l'air d'exagérer, mais comme il fallait alimenter les groupes de spécialité en terminale, eh ben, on faisait du lobbying auprès des élèves, c'est-à-dire qu'on essayait de les pousser à aller dans d'autres matières. Mais c'est vrai que les matheux et les physiciens, ils étaient sans vergogne. Hein. Non, mais la bio, vous n'arriverez à rien avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un mépris des sciences naturelles, parce qu'en plus, c'est des sciences molles. Alors ça, c'est très drôle, c'est de voir comment les élèves sont extrêmement troublés par le fait que quand on fait des manipulations, des expériences, ça marche pas tous les coups en bio. En physique, ça marche impeccable, tac comme une horloge. En bio, ça fait un peu comme ça veut, et on a intérêt de partager collectivement nos résultats pour avoir un résultat qui se tienne. Mais certains élèves, ça les troublait. Ils étaient mal à l'aise avec ça. Il fallait que je leur explique que c'était pas moi qui était incompétent, que c'était le vivant qui était un petit peu aléatoire. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, d'une hiérarchie des sciences. En plus, maths, physique, etc., c'est facile de créer de la compétition, de la hiérarchie, du classement. Ça permet après de rentrer dans des écoles, etc. Enfin bon, il y a quelque chose qui est peut-être purement social dans cette affaire-là. Et puis... l'industrie croit avoir besoin de beaucoup de physiciens, etc. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui me touche beaucoup, qui est l'analphabétisme scientifique. Alors, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans ma vie. Et en plus, maintenant que je fréquente un peu de milieu éditorial, littéraire, etc., l'analphabétisme scientifique, c'est terrible. Et c'est ça qui me pousse aussi à écrire un bouquin comme celui que j'ai écrit, parce que c'est dommage de se priver de la moitié du ciel. Enfin, c'est dommage de se priver d'une culture humaniste pour les scientifiques et d'une culture scientifique pour les humanistes. Voilà, on peut faire les deux. Cette division entre littéraire et scientifique, en fait, qui est presque une règle dans les lycées. Ouais, un tel est littéraire, ou un tel est scientifique. Enfin, moi, je trouve ça absurde. C'est peut-être parce que j'ai un pied sur chacun, mais bon, je trouve ça, c'est dommage. Et c'est dommage que ceux qui ont une culture scientifique n'aient pas au moins une teinture d'humanité, et c'est dommage que ceux qui ont une culture d'humanité n'aient pas une teinture scientifique. Parce qu'autrement, il y a des débats sociaux actuels, par, je sais pas, les vaccins, la procréation médicalement assistée, les OGM, etc., les pesticides...
bon, c'est des débats sociétaux qui devraient être des débats démocratiques, mais la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'idées là-dessus, parce que cette culture scientifique, elle fait défaut. C'est très dommage. Et pour moi, la vulgarisation, c'est quelque chose de très noble. C'est vraiment expliquer aux gens des choses complexes. Moi, je dis souvent que mon métier, en fait, et si j'arrivais un peu à le faire, c'est parce que j'avais la capacité de prendre des choses très compliquées puis de les rendre simples pour que les gens y comprennent. Voilà, c'était métier de prof. Voilà, ça s'appelle la pédagogie. Et je trouve que c'est super important de rendre de rendre public la culture scientifique, qui est une chose merveilleuse. J'aime fondamentalement la littérature, mais qu'est-ce que c'est bien les sciences ? Une remarque à ce sujet, Francis, ou non ? Ouais. Je crois que c'est Marc-André Sellos qui était là l'an dernier, qui aussi m'avait parlé de ça et qui a lancé depuis une fondation qui s'appelle la Fondation Biogé pour essayer de sensibiliser. Il y avait une question au fond, je crois, ou je me suis trompée ? Non ? Une devant, pardon, donc c'est devant, j'ai dû rêver. Oui, bonjour, mais merci. Vous avez parlé justement de hiérarchie des connaissances scientifiques. En fait, ma question, c'était peut-être de parler de hiérarchie de la connaissance. Et je voulais savoir, dans votre approche de la forêt, des arbres, on a beaucoup parlé de connaissances scientifiques, si vous aviez aussi travaillé, comme Jérémy Nirba, que vous citiez tout à l'heure, sur les savoirs ancestraux. Donc avec plutôt des savoirs venus de personnes natives, voilà, pour pas avoir une vision trop eurocentrée. Non. Désolé, je suis eurocentré et occidentalocentré, c'est déjà pas mal. Non mais voilà, c'est vrai que c'est un domaine passionnant, mais après moi qui voyage peu. J'ai aucune compétence pour aller voir ce que pensent les peuples premiers sur la forêt, mais ça me passionne. Vous parlez des ethnies forestières. C'est certes. Oui, oui, oui. Dans toutes les grandes forêts primaires, il y a des êtres humains qui habitent là depuis très très longtemps et qui se considèrent d'ailleurs comme faisant partie de la faune. C'est assez étonnant. C'est certainement eux qui connaissent le mieux la forêt. Ce n'est pas une connaissance parfaite parce que, par exemple, toutes les plantes qui leur servent à rien, il y a un nom collectif pour tout ça. Ils ont travaillé la question des plantes qui leur sont utiles. Et puis c'est un peu pareil pour les animaux. Il n'empêche que c'est certainement eux qui savent le mieux vivre à partir de la forêt sans la détruire. Ils ne vont pas la détruire puisqu'ils en ont besoin, ils vivent avec ça. Bon, donc c'est assez admirable. Malheureusement, ils sont en perte de vitesse partout, et notamment au Brésil en ce moment. Donc c'est très inquiétant. Et puis, essayer de récolter leur savoir, c'est un peu ambigu comme démarche. On est très inquiet pour ces gens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, d'autres mains qui se sont levées que je n'aurais pas vues ? Oui, allez-y. Oui, c'était juste pour compléter ma première question, parce que sur le dialogue entre les arbres, est-ce que vous pensez qu'un jour, si on a étudié ça depuis un certain nombre d'années, donc on a pu identifier qu'il y avait un dialogue entre les arbres, est-ce que vous pensez qu'un jour on n'arrivera pas à dialoguer avec, parce que c'est un peu prétentieux, mais être plus, voilà, comment on peut faire pour, toujours dans ce lien entre les êtres, entre le vivant, comment vous voyez la chose entre l'homme et les arbres, la communication ? On me pose souvent la question, et je ne vois pour l'instant aucune espèce de possibilité de communication entre les arbres et l'être humain. Pourquoi ? Tout simplement, je crois, parce qu'on est trop récent. 200 000 ans, 250 000 ans maximum pour l'espèce sapiens, et un million d'années pour le genre homo, c'est pas assez. Ça va venir, mais je pense qu'il faut simplement attendre que les partenaires fassent connaissance les uns avec les autres. Et pour l'instant, nous connaissons encore très mal les arbres.
C'est ma manière de répondre. Je pense que ça peut venir. À ce propos, ouais, alors c'est vrai que vous se posez la question, est-ce qu'on peut communiquer, du coup, est-ce qu'on a des choses à se dire, je ne sais pas. Je termine le bouquin sur un roman. Je parle d'un roman qui s'appelle Solaris, de Stanislas Lem, un roman polonais de science-fiction des années 60, et qui raconte l'histoire d'une planète qui est recouverte d'un océan vivant. Et il y a des expéditions scientifiques qui essaient de communiquer avec l'océan vivant. Mais le problème, c'est que l'océan vivant, il est seul, il ne comprend pas ce que c'est que bouger, il ne comprend pas ce que c'est que se déplacer, il ne comprend pas ce que c'est que communiquer, parce qu'il est tout seul. Il n'a pas les bons concepts. Et puis, les scientifiques qui sont dans la station spatiale qui est autour, ils ne comprennent pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire d'être tout seul? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une masse matérielle sans rien d'autre? Et en fait, dans le roman, depuis des décennies, il y a une sorte de dialogue de sourds où finalement on essaye de communiquer, mais ils sont tellement fondamentalement différents qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et je me dis qu'avec les arbres, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement fondamentalement différents que c'est un peu compliqué. Par contre, on peut manipuler l'arbre, la plante, avec justement des facteurs de croissance, des choses comme ça. On pourrait imaginer le faire pousser dans un sens, dans l'autre, etc. C'est des choses qui se font déjà en laboratoire. C'est-à-dire qu'on prend des petites cellules et suivant les facteurs de croissance qu'on met, ça fait de la tige, de la feuille, de la racine. Mais bon, c'est pas de la communication, c'est de la manipulation. Voilà, mais ça pose un problème. Qu'est-ce qu'on va lui dire à l'arbre? Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Et bien là, on est dans l'inconcevable. Il n'y a que la science-fiction qui peut répondre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Ou est-ce que... Ah, encore? Mais allez-y, vous avez la place, on a le temps. Non, pardon, c'était pour répondre. En fait, je travaille en collaboration avec une artiste, parce que peut-être il y a l'art aussi qui peut répondre. Non, mais mettez votre micro proche. Ah oui. Et donc, Olga Kiseleva a un projet de bio-art depuis 2012 qui s'appelle Eden. Et qui consiste, alors elle a d'abord été soutenue par un laboratoire Orange, je crois, à écouter les arbres avec différents types de capteurs et aussi à les faire communiquer entre eux. Et elle a réussi en fait, alors pas elle uniquement, elle travaille avec des chercheurs, des anthropologues, des scientifiques, en fait à sauver des espèces d'arbres, alors là j'ai plus le nom de l'arbre en tête, en les faisant communiquer entre eux. Et ensuite, au moyen d'installations immersives, elle fait en sorte qu'on puisse communiquer avec les arbres. Voilà, mais c'est pratique artistique. Merci à vous, peut-être en tout cas. je vous propose de les applaudir et de vous remercier pour cet échange. Il sera possible de retrouver la conférence en ligne. Et on verra avec les équipes du festival pour mettre en ligne les entretiens avec Natasha Meyers. Il y a une séance signature, si cela vous intéresse, juste ici, avec Francis Allais et Alexis Génie. Ensuite, je crois que le reste de la soirée se passe à la croisière avec Stéphane, qui s'occupera de discuter avec Étienne Danchin. Voilà. Il n'y aura pas mon livre sur les arbres? Oui, il sort en octobre. Merci beaucoup.